fait cette TCI pour Martine Lucraz, qui aimerait avoir des nouvelles de son mari, ce mari qui est parti le 26 du 8 2013. Il se nomme Albert. Albert, qui est né le 28 du 4 1935 et qui est parti le 26 du 8 2013. C'est pour Martine, votre femme. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Albert. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur? Auriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Albert, un message pour votre femme? Êtes-vous en paix, monsieur, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, monsieur, s'il vous plaît? Êtes-vous en paix, monsieur, s'il vous plaît? Votre femme vous embrasse. Et je vous remercie si vous m'avez répondu, monsieur. Au revoir, monsieur Albert. Merci, mon guide Joseph. Vous pouvez le raccompagner. Au revoir, monsieur. Et merci de m'avoir répondu. Et merci de m'avoir répondu. Et merci de m'avoir répondu. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 16 juin 2020. Je fais cette TCI à la demande de Sandrine de Blette, de Serres.
qui aimerait recevoir un message de son grand-père, André. André Fromont, qui est parti le 27 avril 1968. Merci, Maudit. Voilà, donc j'appelle Monsieur Fromont, André. Bonjour, Monsieur Fromont. Bonjour, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît, monsieur? Votre petite fille aimerait savoir si vous allez bien. Sandrine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur André, un message à lui transmettre? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît? Un simple oui ferait l'affaire. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur, si vous m'avez répondu, je vous laisse repartir. Bah, avant, votre petite fille vous met un bisou, bien sûr, et je vous laisse repartir dans la lumière. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, mon Dieu, de le raccompagner. Au revoir. Je fais cette demande de contact pour Lamia Gilardino. Lamia Gilardino.
qui aimerait recevoir des nouvelles de son beau-père. Donc, c'est son beau-père qui s'appelle Jean-Pierre Gilardino. Jean-Pierre Gilardino, qui est né le 21 du 9 1941. Je n'ai pas la date du départ. Je vais essayer comme ça. Merci, mon guide. Voilà. Donc, j'appelle Jean-Pierre Gilardino. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Vous entendez, vous aussi, vous êtes sympa. Merci. Est-ce que vous allez bien? Auriez-vous un message pour Lamia, s'il vous plaît? Vous lui manquez terriblement, monsieur Jean-Pierre. Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît? Lamia vous envoie un bisou, monsieur Jean-Pierre. Je vous remercie, monsieur, si vous m'avez répondu. Je vous laisse retourner dans la lumière. Merci, monsieur Jean-Pierre. Au revoir. Mon guide, vous pouvez le raccompagner, s'il vous plaît. Merci à vous, mon guide, Joseph. Edith Forget aimerait avoir des nouvelles de son amie Christiane, qui est née le 31 mai 1956 et qui est partie le 1er juillet 2019. Merci, Maudit. Je crois que c'est le dernier pour aujourd'hui. J'appelle Christiane pour Edith Forget. Bonjour, Madame Christiane. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Il est
Est-ce que vous allez bien? Auriez-vous, s'il vous plaît, un message pour votre amie Edith? Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame Christiane? Mais je vous ai entendu. Je vous remercie, madame, de m'avoir répondu. Vous pouvez remonter dans la lumière. Je remercie mon guide, Joseph, et tous les êtres supérieurs de lumière de m'aider dans cette rotate. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Bonjour à tous, nous sommes le 15 du 6 2020. Je fais ce contact à la demande d'Ophélie Vogt. Ophélie Vogt, qui aimerait recevoir des nouvelles de sa grand-mère maternelle. Elle aimerait savoir si sa grand-mère maternelle aurait un message pour elle. Elle serait partie le 10 octobre 2010. 12. Le 10 octobre 2012, et elle se nomme Simone Paris. Simone Paris, pour Ophélie Vogt. Merci, mes guides. Donc, j'appelle Simone, Madame Simone. Merci, Madame Simone. Bonjour, Madame Simone. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Auriez-vous un message à transmettre à votre petite fille, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez bien, Madame Simone?
Si vous pouviez parler assez fort, s'il vous plaît. Merci. Un simple oui ferait l'affaire. Est-ce que vous allez bien, s'il vous plaît? Votre petite fille vous embrasse, elle vous envoie un gros bisou. Merci Madame Simone si vous m'avez répondu. Merci Maudit de la rediriger vers la lumière. Au revoir Madame. J'ai fait cette demande de quota pour Amélie Jonathan Zata Meurice. Amélie Jonathan Zata Meurice, qui aimerait avoir des nouvelles de sa maman Nadine Louis, qui est née le 25 octobre 1948 en Belgique. Je n'ai pas la date du départ, je vais essayer comme ça. Mais guide, j'ai besoin de vous. Donc, je voudrais avoir un message de Nadine Louis pour sa fille Amélie Jonathan. Merci beaucoup. Bonjour Nadine. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Auriez-vous, s'il vous plaît, Madame Nadine, un message pour votre fille? Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame? Attendez, je ne pense pas ça. Attendez, je ne pense pas ça. Attendez, je ne pense pas ça. Oui, Madame Louise Nadine, êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît? Merci. Votre fille Amélie vous envoie un gros bisou. Êtes-vous en paix, s'il vous plaît, madame? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît, madame? Êtes-vous en paix, s'il vous plaît, madame?
Êtes-vous en paix, s'il vous plaît, madame? Je vous remercie, madame Nadine Louis, si vous m'avez répondu. Merci, Maudit Joseph. Vous pouvez la raccompagner. Au revoir, madame. Vous pouvez retourner dans la lumière. Maudit va vous raccompagner. Au revoir. Oui, je vous ai entendu, vous envoyez des bisous. Merci, madame. Je vous ai entendu, vous envoyez des bisous. Merci, madame. Je vous ai entendu, vous envoyez des bisous. Merci, madame. Je vous ai entendu, vous envoyez des bisous. Merci, madame. Je vous ai entendu, vous envoyez des bisous. Merci, madame.